chat de palace, également connu sous le nom de Manul, est une petite espèce de chat sauvage originaire des régions montagneuses d'Asie centrale. Voici une description de cet animal fascinant. Le chat de palace est un chat de petite taille, avec une apparence trapue et compacte. Il a une fourrure dense et épaisse qui lui permet de survivre dans les environnements froids de haute altitude. Il a une tête large avec des joues charnues, des yeux grands et ronds, et de petites oreilles arrondies. Sa fourrure est généralement de couleur gris beige à gris foncé, avec des marques sombres sur le visage et des bandes sur le corps. Les chats de palace ont une longueur corporelle d'environ 46 à 65 cm et une hauteur au garrot d'environ 25 à 30 cm. Leur queue est relativement courte, mesurant environ 21 à 31 cm. Habitat, les chats de palace habitent les régions montagneuses d'Asie centrale, notamment les steppes, les prairies, les zones semi-désertiques et les régions rocheuses. Ils sont bien adaptés à des environnements extrêmes et peuvent être trouvés à des altitudes allant jusqu'à 5000 mètres. Comportement, les chats de palace sont principalement solitaires et nocturnes. Ils sont bien adaptés à la vie dans des environnements hostiles et peuvent supporter des températures très froides. Ils sont de bons grimpeurs et chasseurs, se nourrissant principalement de petits mammifères tels que des rongeurs, des lièvres et des oiseaux. Caractéristiques particulières. Le chat de palace est connu pour son expression faciale unique, avec des yeux grands et ronds qui lui donnent un aspect étonné ou grincheux. Il a également une capacité de rotation de sa tête à 180 degrés, ce qui lui permet de mieux localiser les sons. Ces caractéristiques font du chat de palace une espèce très reconnaissable et appréciée. Adaptation à l'environnement, le chat de palace est très bien adapté aux conditions extrêmes des hautes altitudes. Sa fourrure épaisse et isolante lui permet de rester au chaud dans les climats froids, tandis que ses larges pattes et ses coussinets épais l'aident à marcher sur des terrains rocheux et enneigés. Il a également une faible surface corporelle, ce qui réduit la perte de chaleur. Le chat de palace est un excellent chasseur. Il utilise des techniques de chasse furtive, se cachant et se camouflant pour se rapprocher de sa proie avant de se précipiter dessus. Il est capable de bondir haut dans les airs pour attraper des oiseaux en vol. Sa capacité à se déplacer en silence et à se faufiler discrètement lui permet de chasser avec succès malgré sa petite taille. Reproduction, les chats de palace atteignent leur maturité sexuelle entre 1,5 et 2 ans. Les femelles donnent naissance à une portée de 2 à 6 chatons après une gestation d'environ 66 à 75 jours. Les chatons restent avec leur mère pendant plusieurs mois et commencent à chasser de manière indépendante vers l'âge de 4 à 5 mois. Communication. Les chats de palace utilisent une combinaison de signaux visuels, vocaux et olfactifs pour communiquer.
Ils marquent leur territoire en grattant des arbres et des rochers, en urinant et en déposant des excréments. Ils émettent également des vocalisations telles que des grognements, des sifflements et des miaulements pour communiquer avec d'autres membres de leur espèce. Interaction avec les humains, le chat de palace a une relation plutôt distante avec les humains. En raison de son habitat éloigné et inhospitalier, il a peu d'interactions directes avec les populations humaines. Cependant, il peut être chassé pour sa fourrure dans certaines régions. Recherche scientifique. Étant donné que le chat de palace vit dans des régions éloignées et difficiles d'accès, il est encore relativement peu étudié par les scientifiques. Les recherches sont en cours pour mieux comprendre son comportement, son écologie et son statut de conservation. Statut de conservation, le chat de palace est répertorié comme une espèce quasi menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. La principale menace pour leur survie est la perte d'habitat due à l'expansion humaine, ainsi que le braconnage pour leur fourrure. Le chat de palace est un animal fascinant et mystérieux, adapté à des environnements extrêmes et peu peuplés. Sa rareté et sa beauté en font une espèce précieuse qui nécessite une attention et une protection pour assurer sa survie à long terme.